Bonsoir tout le monde, je suis sous la pluie, il m'est très difficile de faire des podcasts aujourd'hui, il pleut énormément ici en France, il commence à pleuvoir, ici l'été a pris ses bagages comme on dit, il a pris la tangente, il est en train de fuir doucement mais sûrement, après un été caniculaire, mais en Algérie, dans la majorité du territoire de notre chère Algérie, notre territoire national, dans la majorité des régions, pour ne pas dire pratiquement dans toutes les régions, pas pratiquement, il fait encore extrêmement chaud. Bon, avant la tombée de la nuit, je voulais vous parler d'un événement qui avait suscité hier un débat sur Algérie Park. Nous avions fait un article pour parler de la disgrâce de Kamel Beljoud. On a vu que le remaniement ministériel qui a été décidé hier le 8 septembre 2022, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2022, je le rappelle. Cet article avait suscité beaucoup de réactions et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'on répostait à cet article, on a réagi à cet article en disant que non, Abdou, c'est pas vrai, c'est pas une disgrâce, il a quand même hérité du ministère des Transports, c'est quand même pas rien, le ministère des Transports est encore ministre. Je j'essaie un peu de détendre le climat pour parler un peu de décomplexifier un peu les sujets très complexes. C'est pour ça que j'utilise un peu des fois l'algérien populaire, le langage populaire, pour vous expliquer le contexte dans lequel se déroulent certaines informations difficiles encore à appréhender. Kamel Beljoud, il a tout perdu, ou presque. Je le dis, je le répète, c'est l'homme qui a pratiquement tout perdu, ou presque. Kamel Beljoud, il a tout fait pour devenir Premier ministre. Il a tout fait pour devenir Premier ministre. Ensuite, quand il a compris qu'il ne pouvait pas devenir Premier ministre, il pensait qu'il allait devenir secrétaire général de la présidence de la République. Il pensait que le poste de SG lui permettrait, SG du palais présidentiel d'El Mouradia, lui permettrait de rebondir plus tard. Il voulait faire exactement comme un certain Ahmed Ouyahia qui était Premier ministre, ensuite qui partait au palais présidentiel d'El Mouradia pour revenir ensuite pour revenir vers le gouvernement. Kamel Beljoud, il a vraiment tout perdu. Voilà, il a tout perdu. D'abord, Kamel Beljoud, durant tout l'été, au moment où ce remaniement ministériel était préparé, et on pensait qu'il allait être un vaste remaniement ministériel, et on pensait que ça allait concerner plusieurs départements ministériels, que ça allait, une dizaine de ministres vont être limogés et remplacés. Finalement, il n'y en a que six qui ont été remplacés, et pas tous limogés. Sur les six, Kamel Beljoud n'a pas été limogé, il a permuté, il a pris un autre ministère. Pour le 4 ou 5 qui ont été vraiment relevés de leur fonction. Abdullah Mounji, l'ex-ministre des Transports, devient lui-même secrétaire général de la présidente de la République à la place, secrétaire général de la présidente de la République à la place de Kamel Beljoud, le poste qui normalement devait lui être attribué. Kamel Beljoud, son problème, c'est que son lobbying excessif, exagéré, et son excès de confiance, il pensait réellement qu'Abdelmadjid Tebboune allait tout faire pour le placer Premier ministre, il pensait réellement qu'Abdelmadjid Tebboune le considérerait toujours comme son poulain, il pensait que, mais naïf comme il est, Kamel Beljoud est un vrai naïf, il croyait qu'Abdelmadjid Tebboune allait prendre tous les risques pour le promouvoir et pour le mettre Premier ministre. Voilà, il a joué à un jeu dangereux et s'est brûlé les ailes. Pourquoi ? Kamel Beljoud, il n'est pas aimé par les services de sécurité. Il est cité dans plusieurs enquêtes. Ses relations sulfureuses avec des personnages et des dirigeants très dangereux de l'époque de Bouteflika, comme Ghali Belkacir, comme l'homme d'affaires Mohamed Ben Abdallah, qui a fait de la prison, qui a été emprisonné récemment, certains promoteurs immobiliers. Son nom est évoqué dans de nombreux dossiers. Donc, qu'Algérie Part avait déjà cité, expliqué et relaté. Kamel Beljoud s'est attiré les foudres de l'institution militaire et de plusieurs hauts placés au sein des services de sécurité de l'armée, au point où il avait fait l'objet de plusieurs rapports accablants à cause de son comportement irresponsable. Kamel Beljoud, dès que Abdelmadjid Tebboune est devenu président, il pensait que c'est bon, il pensait qu'il allait s'emparer de tout le pouvoir en Algérie, qu'elle allait être le nouveau prince. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours, d'ailleurs, l'image de boîte noire d'Abdelmadjid Tebboune, c'est lui qui a véhiculé cette image. Parce qu'effectivement, il était l'un des collaborateurs les plus importants d'Abdelmadjid Tebboune lorsqu'Abdelmadjid Tebboune était ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il était son secrétaire général de 2016 à 2019. Ensuite, de 2019 à 2020, il est devenu ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville parce qu'il était le secrétaire général à l'époque. Le pays était bouleversé par une crise politique sans précédent et le gouvernement de Bedoui était un gouvernement d'urgence et de transition. Donc, ils ont mis n'importe qui comme ministre. La preuve, Kamel Beljoud, il est monté ministre dans un contexte vraiment bouillonnant. C'est-à-dire, si l'Algérie était stable, Kamel Beljoud n'aurait jamais pu devenir ministre. Algérie part à raconter comment Kamel Beljoud a échappé à la vengeance.
Après l'été 2017, quand son mentor Abdelmadjid Tebboune a été enlevé, alors qu'il était Premier ministre à la fin du mois d'août 2017, comment Ahmed Ouyahia, comment un businessman, ou plutôt comment un ami Ahmed Ouyahia est intervenu pour lui sauver sa tête, il a sauvé vraiment sa tête, alors que les Bouteflika voulaient envoyer Kamel Beldjoud dans un poste mineur et médiocre, pour ne pas dire un poste minable, au fin fond du sud de l'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui est revenu de loin, mais c'est un miraculé. Mais au lieu de remercier Dieu d'avoir eu la tête sauve, et d'avoir rebondi, il a poussé des ailes, il a commencé à montrer ses dents, et malheureusement la voracité lui a fait beaucoup de tort. Quand la ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de Abdelmadjid Tebboune, Kamel Beldjoud a commencé à faire cavalier seul. Il a commencé à saboter Abdelaziz Jarrad. Abdelaziz Jarrad, je suis l'homme qui a critiqué le plus, avec le plus de véhémence, avec le plus d'engagement, avec le plus d'arguments et de faits vérifiables, Abdelaziz Jarrad. Ceci dit, ce qui appartient à César, il faut rendre à César. Il a comploté, Kamel Beldjoud a comploté contre Abdelaziz Jarrad. Il incitait Diwali, Harrach Diwali, pour qu'il ne travaille pas avec le Premier ministre, pour qu'il travaille uniquement avec lui. Il a commencé à semer la zizanie au sein du gouvernement. Il s'est arrogé les pouvoirs d'un super ministre de l'Intérieur. Il commençait à se mêler de certains dossiers qui ne relevaient pas de ses prérogatives. Il se mêlait de certains dossiers économiques concernant l'investissement, concernant le développement des activités commerciales et économiques qui ne relevaient pas de ses activités, mais qui relevaient de d'autres départements ministériels. Il a commencé à saboter Abdelaziz Jarrad. Un groupe de Weli était instruit de ne travailler qu'avec lui. Et de ne pas, ou il les a instruits de ne plus travailler avec Abdelaziz Jarrad. Même Badkija et même Abdelrahman, le premier ministre à partir de juin 2021. Kamel Beldjoud a fait exactement la même chose. Il a reproduit les mêmes pratiques claniques, mais les mêmes pratiques. Kif, il a voulu saboter Emem Abdelrahman. Il faisait cavalier seul. Il disait que le président me parlait à moi directement. Il demandait entrevue au président direct. Il ne reconnaissait même pas le pouvoir du premier ministre. Mais il ne sait pas. يمشي ويقول انا هو لابط مور دو تبون هو يصلا رونجي سيت ايماج كان هو يقولها تبوني مون امي تبوني مون مونطور تبوني مون في كونفيونس هو لا فيكولي سيت ايماج ولا سيرتان ولي بوغي لي ا بروتيجي سيرتان كورومبو لي ا بروتيجي الى كومونسي انسويت ا سو ديسبوتي افيك لي باترون دو لا بوليس كان عنده بروبليم كبير مع خليفه نونيسي ومن بعد هذا الجديد فريد زين الدين بن شيخ كايتي نومي دوبوي مارس 2000 هنا مارس 2022 لا ميم مارس 2021 بلوتو لا ميم شوز بدا يدور معاه دار مع دار عليه وبدا يضرب معاه وي كومونسي ا سوميلي دو لا بروموسيون دو سيرتان باتمون دو لا بوليس الى كومونسي ا الى كومونسي ا فولوار سامبوزي سون بروبر اربيتير سون بروبر اجندا او باترون دو لا بوليس يعني خلاص سي كرو خلاص قال بلي تبون مونطور لي بريزيدون الى فريمون كرو كيل الي دوفونير لوي ميم سي دير بور لوي الى لي اريفي خلاص الحق حيولي بريمير مينيستر ومام سي بارتي انكور بلو لوين دون لونتوراج دو بلجود. Les gens commençaient à dire et à parler, Billy Beldjoud peut être même un des successeurs d'Abdelmadjid Tebboune à partir de 2024. Que si Abdelmadjid Tebboune ne va pas faire le deuxième mandat, Beldjoud pourrait être présenté comme étant un de ses successeurs. C'est quand même grave pour quelqu'un qui était chef d'Aïra. Beldjoud était chef d'Aïra, Fischeraga ou Zeralda. C'est grâce à Ghalib Al-Qsir et qui a fait un lobbying important pour le placer comme secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. C'est ensuite grâce à un ami de Ouyahia qui l'a pu échapper à une véritable exécution. C'est un miraculé. Lyon, en 2 ans, il a profité de l'anarchie qui avait régné dans le pays, il a profité du bouleversement politique qui a commencé en 2019, il a profité de la crise qui a affaibli l'État et ses institutions, il a nourri des ambitions que je vais devenir le prochain Premier ministre, après pourquoi pas je vais devenir moi-même président. Si tu es devenu président, moi aussi je peux devenir président. Et ben voilà, d'artena aura qui m'en colofe le hirak, les rapports des services de sécurité, les langues se sont déliées, les dossiers ont commencé à ressortir, Algérie part a commencé à faire des enquêtes, et nous avons dévoilé la vérité de ce personnage. En fin juillet 2022, Ada, nous avions dit que si Abdelmadjid, si Tebboune allait nommer Beldjoud comme premier ministre, il va commettre une bêtise indescriptible, il va commettre une grosse bourde, parce que Hada Beldjoud, il est dangereux. C'est quelqu'un qui est avide de pouvoir, qui est cupide, qui ne pense pas à l'intérêt général, qui a comploté contre sa tutelle, qui complote contre ses collaborateurs, qui pense qu'à sa gueule, qui voulait uniquement, qui s'intéressait qu'à sa propre carrière, un carriériste.
Il a instrumentalisé ses fonctions pour monter le, pour grimper les plus grands échelons, les échelons les plus importants du pouvoir. Lui, maintenant, le ministre des Transports, parce qu'il a bien le tibbon, le gouvernement, la justice, les services de sécurité, la gendarmerie nationale, les services secrets, il finira convoqué devant les juges, il finira en prison, Kamel Beljoud. Au regard des bêtises qu'il collectionne. Il lui a donné un poste ministériel juste pour qu'il puisse bénéficier encore de l'immunité et pour qu'il soit pas, qu'il demeure encore intouchable. C'est tout. Ni plus ni moins. La leçon de cette histoire, et pour finir, le parcours, les bêtises, les comportements irrationnels et fous de Kamel Beljoud nous renseigne, nous permet de tirer une seule leçon. Ton avis, Kamel Goulou Belarbi Belfalansiya, excusez-moi pour ce mot qui peut paraître peut-être un peu mal élevé, mais on parlera direct entre nous, Algériens et Algériens, il ne faut pas péter plus haut que son cul. Il faut pas trop. Il faut pas. La vanité est un vice qui tue. Dans la politique, c'est un vice très dangereux. Quand un petit fonctionnaire qui n'a pas de grand CV, qui n'a pas de grandes compétences, qui n'a pas un énormément de savoir, ni d'expertise, ni de savoir-faire, commence à prétendre, et quand il est aveuglé par des ambitions déplacées, il commence à vraiment croire qu'il peut devenir Premier ministre et pourquoi pas même successeur d'un chef d'État, là, il peut se brûler les ailes et là, la chute sera vraiment très très dure. Parce que dans la politique, comme dans tous les pays du monde, et surtout en Algérie, il faut faire preuve de modestie, de simplicité, il faut avoir la foi, il faut surtout mettre garche. Parce que quand trop d'abus, quand tu abuses du pouvoir pour écraser tes adversaires et comploter contre tes collaborateurs, tu finis toujours mal. C'est ça ce qu'on doit surtout apprendre de la chute de Kamel Beljoud. Une chute qui ne fait d'ailleurs que commencer. Parce qu'après le départ de Tebboune, un jour ou l'autre, il va partir. Vous allez entendre parler de Kamel Beljoud, il va vraiment, vraiment avoir beaucoup d'ennuis.